Bonjour à tous, nous sommes au Centre Sèvres, l'Université des Jésuites de Paris, pour la première rencontre des mardis d'éthique publics de l'année, une soirée qui sera retransmise sur la radio RCF. Ce mardi 5 octobre, avec la publication ce matin du rapport Sauvé, est un moment de vérité pour l'Église catholique, et c'est du travail de la CIAS et de ses conséquences pour les victimes et pour l'Église catholique dont nous allons parler ce soir avec nos deux invités, une soirée préparée par François Heuvé et Jean-Luc Poutier. C'est Jean-Luc Poutier qui conclura la soirée et je laisse à François Heuvé le soin de l'introduire et de présenter nos invités. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vivons en effet un moment important dans la vie de l'Église catholique, un moment de vérité. Ce matin, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, dite Commission Sauvée, a rendu son rapport à ses deux commanditaires, la Conférence des évêques de France et la Conférence des religieux et religieuses de France, Coref. Ce rapport était attendu depuis longtemps. Il est le fruit d'un travail d'environ deux ans et demi, la première rencontre ayant eu lieu le 8 février 2019. Sa composition réunit toutes les expertises que l'on peut souhaiter dans ce domaine. Psychologues, historiens, juristes, théologiens, canonistes, spécialistes de l'enfance, etc. Son travail a consisté d'abord à établir les faits des multiples affaires de violences sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables commises par des prêtres, des religieux et parfois aussi des religieuses. L'accès aux différentes archives a été complété par des auditions et des enquêtes spécialisées. L'écoute des victimes a été une étape cruciale dans la prise de conscience de ce qu'ont représenté ces violences. Après l'établissement des faits, la commission a réfléchi sur un certain nombre de préconisations concernant la gouvernance de l'Église, la théologie du sacerdoce, la formation du clergé, la morale sexuelle, etc. Il s'agit d'une cinquantaine de recommandations pour une démarche de vérité et de réparation vis-à-vis -vis du passé, pour une prévention sans faille à l'avenir. L'écoute des victimes a été centrale et décisive. Comme l'écrit Jean-Marc Sauvé dans la présentation du rapport, elles détiennent un savoir unique sur les violences sexuelles et elles seules pouvaient nous y faire accéder pour qu'il puisse être restitué. Ces victimes étaient souvent silencieuses, elles ont pris la parole et elles sont devenues témoins et acteurs de la vérité. Grâce à elles et grâce à tout le travail accompli, une étude très sérieuse a pu être menée. la reconnaissance des faits est une étape essentielle à l'encontre de toutes les stratégies de dissimulation ou de déni, consciente ou inconsciente. un long chemin reste à faire. Et il commence aujourd'hui pour rétablir la confiance. pour terminer cette brève introduction, je voudrais souligner ce que peut apporter une commission indépendante afin de sortir de la culture de l'entre-soi qui marque encore trop souvent le monde ecclésiastique. Dans l'entretien qu'elle avait donné à la revue Études en, dé en décembre 2018, au moment où se décidait le principe de la commission, Véronique Margron nous disait ⁇ Encore trop de responsables pensent que l'Église peut s'en sortir par elle-même, sans faire appel à des ressources extérieures. ⁇ Je crois au contraire que l'on avancera si l'on accepte de confier en partie les clés de la résolution de ce drame et de cette ignominie à d'autres instances à qui l'Église fera confiance. C'est bien ce qui s'est passé et nous pouvons être reconnaissants à M. Jean-Marc Sauvé et à tous les membres de la Commission pour le travail accompli. Dans un premier temps de cette soirée, pendant une dizaine de minutes, nous entendrons d'abord Philippe Portier, historien et sociologue, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, professeur à Sciences Po. Membre de la commission Sauvé, il a dirigé la recherche archivistique et socio-historique. Il nous dira ce qu'a représenté pour lui ce parcours. Dans un deuxième temps, nous entendrons sœur Véronique Margron, religieuse dominicaine, théologienne moraliste, présidente de la conférence des religieux et religieuses de France, donc une des commanditaires de ce rapport, et investie en outre, depuis longtemps, dans l'accompagnement des victimes d'abus. Elle nous dira comment elle reçoit ce rapport. Et ce que peut représenter la prise en compte de la parole des victimes. Après un temps d'échange entre les intervenants, la parole sera à la salle pour un temps de questions. Je laisse la parole à Philippe Portier. Bien. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui. Bien, mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord euh, adresser mes, mes remerciements les plus chaleureux à, à Jean-Luc Poutier et à François heuvé pour, euh, pour leur invitation. C'est toujours pour moi un, un plaisir et, et un honneur de parler au Mardi d'éthique publique, euh, d'autant que, que mon interlocutrice est, est Véronique Margron, dont chacun ici connaît tout à la fois la, la réflexion et l'engagement sur les questions relatives à la pédocriminalité. Alors, Jean-Luc Poutier et François Heuvé m'ont demandé d'évoquer le travail de la Commission Sauvé et les premières conclusions auxquelles cette Commission est parvenue. Je n'ai que dix minutes devant moi, vous le savez, et donc je voudrais simplement vous présenter les grandes lignes de cette entreprise qui nous a retenu deux ans et demi euh, en nous demandant, vous le devinez, beaucoup, beaucoup de travail vous faire entrer, en somme, dans l'atelier de la commission à partir de trois grands axes, euh, vous dire d'abord comment la commission a été constituée, euh, euh, évoquer ensuite les méthodes que nous avons développées pour euh, arriver aux conclusions, enfin, ce sera le troisième point de cette intervention, que la commission peut proposer à l'Église, peut proposer à la catholicité, peut proposer aussi à la société française. Alors les acteurs. Je voudrais aller très vite sur ce point. Beaucoup d'entre vous ont déjà lu maints articles de presse en la matière. Vous savez que la commission a été instituée en 2018 à l'initiative de la conférence des évêques de France, présidée alors par Monseigneur Pontier, et de la conférence des religieux et religieuses de France, présidée par Sœur Véronique Margron. Alors, nous sommes dans un climat alors dans un contexte très particulier marqué en église par le procès prénat marqué dans la société tout entière par une sensibilité accrue vis-à-vis -vis de la question de la pédophilie ou de la pédocriminalité comme l'a montré par exemple, euh, l'aventure de MeToo qui est venu dénoncer tel ou tel qui aurait commis des violences. Euh, très vite, euh, le choix se porte sur Jean-Marc Sauvé. On lui demande d'assurer la présidence de cette commission. Ce choix ne doit rien, je crois, au hasard. Il se fixe sur un acteur politico-administratif, si j'ose cette expression, dont euh, le parcours est marqué par une certaine multidimensionnalité. Jean-Marc Sauvé, c'est d'abord un, un très grand serviteur de l'État. Très grand serviteur de l'État après euh, être passé par l'école nationale de l'administration la, dont il sort. Euh, Premier, major, à la fin des années 70, il embrasse immédiatement une carrière au Conseil d'État. Comme il arrive souvent, il n'y restera pas longtemps au Conseil d'État, très vite, il ira vers des cabinets ministériels, très vite, il ira du côté du ministère de l'Intérieur, il deviendra même préfet, avant, euh, à un moment donné de sa carrière, d'embrasser la fonction de secrétaire général du gouvernement. Secrétaire général du gouvernement pendant de très longues années où il servira des premiers ministres venus d'horizons politiques différents, depuis le Parti socialiste jusqu'aux républicains aujourd'hui. Euh, tout cela se terminera par euh, l'accès euh, au poste de plus haut fonctionnaire de l'État. Il deviendra vice-président du Conseil d'État à la fin des années 1990, au début des années 2000. Vous avez là euh, un parcours tout à fait significatif de l'excellence euh, politico-administrative dans notre pays et je dois vous dire que tout cela s'est vu au cours de la commission. Il y avait chez lui une, une véritable maîtrise du travail de la commission, une sorte d'efficacité qui nous a permis d'aller jusqu'au bout de cette aventure en mettant en œuvre comme vous allez vous en rendre compte de multiples compétences. Mais Jean-Marc Sauvé est aussi, il le dit lui-même d'ailleurs, un catholique. Euh, sa pratique religieuse est au principe, nous dit-il, de son désir de servir le bien commun. Un catholique pratiquant qui s'affirme comme tel et qui, euh, s'il a le goût de résoudre les problèmes sociaux, a aussi le goût d'embrasser les problèmes ecclésiaux. Il nous le dira à plusieurs reprises dès les premières réunions plénières de notre commission, et on a vu qu'il y avait pour lui, là, quelque chose de très important à titre subjectif, à titre personnel, dans la mission qui lui était confiée par euh, Sœur Margron et par Monseigneur Pontier. Puis j'ajouterai un troisième point, on, on l'ignore parfois, Jean-Marc Jean Sauvet a également une véritable sensibilité pour tout ce qui concerne les problèmes de l'enfance. Certains d'entre vous le savent peut-être, il est euh, lui président de la Fondation des Apprentis d'Auteuil, et c'est un, un point aussi très important dans sa discipline. Alors vous voyez que nous avons affaire ici à un acteur multidimensionnel dont euh, les qualités étaient évidentes pour prendre en compte ce travail. Euh, Sœur Véronique Margron, Monseigneur Pontier, aurait pu euh, lui donner des indications précises sur la façon de constituer sa commission. Il n'en a rien été. Très vite, très vite, il s'est montré, il nous l'a dit à plusieurs reprises, tout à fait indépendant dans la constitution de, de la commission qui allait ensuite travailler deux ans et demi. Alors cette commission, il la constitue en, en variant les critères. Il y a d'abord un, un critère démographique. Il veut un éventail d'âge. Assez, euh, assez étendue, assez large, et en effet, euh, la plus jeune d'entre nous, à 35 ans, euh, le plus ancien, plus de 75 ans. Vous voyez que nous sommes là confrontés à plusieurs générations, et ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous allons embrasser, dans le cadre du travail de la Commission, plusieurs générations d'abus dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure, car les abus ont changé avec le temps. Critères euh, d'âge, critères de sexe aussi. Il insiste beaucoup sur la parité. En effet, la dimension genrée, comme on dit aujourd'hui, de l'abus mérite d'être soulignée. Peut-être vous en parlerai-je tout à l'heure lors du débat. À côté de, de ces critères-là, critères critère sociodémographiques, il y a aussi un critère auquel tient le président, qui est le critère religieux ou convictionnel. Il ne veut pas une commission homogène. Et il va constituer sa commission à partir d'un éventail très large d'appartenance, éventail très large d'appartenance allant de catholiques pratiquants labellisés comme tels à des athées qui affirment clairement, poliment mais clairement leur distanciation à l'égard de la figure divine. Tout cela aurait pu constituer un obstacle à la production de notre travail, ça a souvent été un atout dans notre réflexion. Puis le, le dernier point, François Heuvet le signalait à l'instant, c'est que cette commission est constituée à partir d'une multiplicité de compétences professionnelles. Il y a en effet parmi nous des, des juristes, des théologiens, des psychiatres, des psychologues, des spécialistes de la protection de l'enfance, des historiens, des sociologues, des démographes, et tout cela pour une commission qui comporte au bout du compte 21 personnes. Alors, que faire avec ces compétences réunies nous avons immédiatement, nous sommes institués après la nomination de Jean-Marc Sauvé en novembre 2018. Nous nous constituons en commission dès janvier 2019. Et très vite, nous réfléchissons au travail que nous allons mener. Il n'y a pas eu de temps de répit. Une première réunion est très vite, très vite. Nous avons défini le cadre dans lequel nous allions travailler. Alors, premier élément. Euh, je dois dire que pour moi qui venais de, de l'université, qui venais de l'école pratique des hautes études, ça a été un, un point de surprise. Jean-Marc Sauvé nous dit immédiatement travail d'écoute. Alors que moi je voulais, dans un premier temps, objectiver davantage les réalités à partir d'une analyse des, des pièces archivistiques, à partir d'une analyse statistique. Non, Jean-Marc Sauvé lance tout de suite ce qui va devenir, et à juste titre, la perspective de notre commission. Écoutez, écoutez d'abord les personnes victimes. Ce n'est pas un hasard si notre rapport se place sous l'exergue suivante, quiconque scandalise un de ses petits, il vaut mieux pour lui qu'on lui suspendût au cou une meule d'âne et qu'on le jeta au fond de la mer. C'est par ce fragment issu extrait de l'évangile selon Saint Matthieu, que s'ouvre le rapport sauvé. Cela vous donne immédiatement la perspective qui va être la nôtre. Il s'agit de nous mettre à l'écoute de ceux qui ont souffert, à ce point d'ailleurs que nous écouterons plusieurs centaines, dans des configurations différentes, plusieurs centaines de personnes victimes. Tout cela pour deux raisons. D'abord parce que nous attachons au travail d'écoute une fonction réparatrice il s'agit déjà d'un premier pas sur le terrain de la reconnaissance des personnes abusées ce qui nous a frappé au cours de cette longue trajectoire c'est le fait que non seulement elles ont souffert ces personnes dans leur corps dans leur esprit dans leur âme mais qu'aussi et cela a redoublé la souffrance elles n'ont pas été reconnues et d'emblée, notre commission entend placer cette réparation au cœur même de son travail. Mais évidemment, nous ne nous sommes pas arrêtés là. Le travail d'écoute correspond à une autre fonction, qui est une fonction non pas de consolation, de réparation, de reconnaissance, mais une fonction aussi cognitive. Il nous est apparu que les personnes victimes à travers ce qu'elles avaient vécu, à travers ce qu'elles avaient souffert, était susceptibles de définir, de porter ce que nous avons appelé un savoir expérientiel, une expérience du mal, une expérience de la non-reconnaissance, avec une, souvent de la part des personnes que nous auditionnions, une capacité d'objectivation de leur propre situation que nous ne pouvions pas, que nous ne pouvions pas faire entrer dans le cadre de notre réflexion. Fonction réparatrice, fonction cognitive, c'est autour de ces deux fonctions que nous avons organisé notre travail d'écoute. Évidemment, un travail d'écoute est une chose, il fallait aussi que sur un plan plus traditionnel, nous nous acheminions vers un travail de recherche scientifique. Il a été mené par des des équipes, des équipes de recherche. Je pense en particulier à l'équipe de sociologie de l'Ined dirigée par Nathalie Bajos, qui nous a donné une très belle étude à partir d'une analyse des témoignages, à partir d'entretiens passés avec les victimes, à partir aussi d'une enquête en population générale dont je vous donnerai tout à l'heure un certain nombre de chiffres, un certain nombre de statistiques propres peut-être à vous faire prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Et puis à côté de cette enquête, il en est une seconde que j'ai eu l'honneur de diriger, qui est une recherche sur les archives de l'Église depuis 1950 jusqu'en 2020, avec cette idée que, et la conférence des évêques de France, et la conférence des religieux et religieuses de France, nous ont constamment soutenu dans notre travail avec des éléments de négociation au tout début de la recherche bien sûr on n'ouvre pas des fonds secrets de la sorte ou des fonds confidentiels de la sorte mais ensuite avec une confiance qui nous a permis d'établir je crois avec précision ce qui est arrivé à l'église depuis les années 1950 D'autres groupes de travail ont été constitués sur la théologie, sur la gouvernance de l'Église. Ce sont des points, si vous le voulez, que j'aborderai tout à l'heure. Je voudrais terminer en vous disant que ce travail qui nous a retenus avec une véritable intensité pendant deux ans et demi a abouti à deux types de résultats. Il y a d'une part des, des analyses. Euh, sans doute nous poserez-vous tout à l'heure un certain nombre de questions sur ce que nous avons vu. Sur ce que nous avons découvert et qui souvent était ignoré, je voudrais vous dire deux choses de ce point de vue. La première chose porte sur les dénombrements. Les chiffres sont accablants. 216 000 personnes, euh, sur le fondement de l'analyse en population générale, ont déclaré, il y a maintenant quelques mois, avoir été abusées par des clercs ou des religieux dans le cadre de l'Église catholique depuis 1950. C'est un chiffre tout à fait important qui place l'Église, si l'on raisonne en termes d'institution, euh, au deuxième plan dans la hiérarchie de l'horreur au cours de ces dernières années. D'autres institutions ont, été, ont également été des foyers d'abus, des foyers de violence. Cela a été le cas bien davantage pour l'Église catholique. Là encore, je vous donnerai un certain nombre de statistiques si vous le souhaitez. Dénombrement au niveau des victimes, j'en parlais à l'instant, dénombrement au niveau des prêtres abuseurs. Si j'en crois les archives que j'ai étudiées, nous en serions à peu près sur les 70 ans qui viennent de s'écouler à 3000 prêtres abuseurs dont nous connaissons de manière très précise l'identité et la trajectoire. Puis euh, s'ajoute à, à cela une réflexion sur l'engendrement sur l'engendrement de ces violences. Mais pourquoi Pourquoi en Église, pourquoi ces prêtres et ces religieux ont-ils donné de ce point de vue dans cette trajectoire de la violence pédocriminelle Alors il nous est apparu que tout cela a beaucoup à voir avec les mécanismes de fonctionnement de l'institution catholique, avec ses modes de gouvernance, avec la politique qu'elle a menée depuis 1950. La politique qu'elle a menée à l'égard des prêtres abuseurs dont elle connaissait les noms, dont elle saisissait les itinéraires et que pourtant elle laissait œuvrer dans leur dynamique du mal. Voilà des éléments qui nous sont venus et qui ont appelé en effet une série de préconisations qui portent sur trois éléments essentiels. Le premier élément porte sur la question de la gouvernance de l'Église. Il nous est apparu que pour que l'abus puisse être signalé, pour qu'il puisse être publicisé, il faudrait que l'Église fonctionne davantage comme un espace ouvert. Or, ce qui caractérise, depuis les années 1950, avec des évolutions que nous ne cherchons pas à nier, qui apparaissent très clairement à partir des années 1990-2000, c'est un pouvoir très fortement concentré et qui n'autorise pas précisément la circulation de la parole. Pouvoir concentrer d'autant plus que le code de droit canonique fonctionne le plus souvent à partir d'une logique qui est en totale discordance avec les requêtes aujourd'hui d'une société démocratique. C'est donc un premier élément qui nous a frappé, sur lequel nous émettons un certain nombre de recommandations modifiées tendanciellement la gouvernance de l'Église. Deuxième élément, plus exigeant encore, réfléchir à la théologie. Il nous est apparu, François, François Heuve utilisait cette expression, employait cette expression tout à l'heure, que l'Église est souvent dans un entre-soi, dans un entre-soi masculin et clérical. Il nous est apparu que de ce point de vue, probablement, le statut du prêtre sacralisé, autre Christ, alter Christus, conduisait très souvent à une position de suréminence cléricale, le fameux cléricalisme du pape XXIII, qui pouvait être un élément de facilitation de l'abus. Et là encore, nous avons incité l'institution ecclésiale à réfléchir sur cette théologie du sacerdoce, comme nous l'avons incité à réfléchir sur la théologie morale, et en particulier sur la théologie de la sexualité. C'est un deuxième point, et puis le dernier point, c'est qu'il nous a semblé important, pour la réparation des victimes, pour leur reconstitution dans l'identité qu'elles revendiquent, de demander à l'Église d'assumer sa responsabilité. Assumer sa responsabilité en faisant mémoire, en faisant reconnaissance de ce qui s'est passé, mais aussi sur le terrain juridique, la force réparatrice du droit, sur le terrain juridique. À assumer en tant qu'institution sa responsabilité dans ce qui s'est passé et qu'on peut qualifier de processus systémique, si l'on entend par systémique ce qui se traduit par des connivences allant bien au-delà d'une analyse de la pédocriminalité en termes simplement de déficience d'une psyché individuelle. Théologie, gouvernance, responsabilité, je crois que c'est autour de ces trois points que nous avons essayé de construire notre système de préconisation. Alors tout cela, et ce sera ma dernière phase, en espérant que ce travail portera ses fruits. Les victimes, évidemment, en attendent beaucoup, mais nous n'avons pas simplement pensé aux personnes victimes, même si, vous l'avez compris, elles étaient tout à fait centrales dans notre réflexion. Nous avons pensé aussi à la société française, et... De ce point de vue, le président Sauvet, la Commission dans son ensemble, a constaté qu'il y avait une véritable interrelation entre l'Église et la société, avec cette idée que peut-être, en guérissant les maux de la société, nous parviendrions à reconstruire un, un lien social qui serait probablement plus solide, une atmosphère sociale qui serait probablement plus apaisée. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il faut comprendre l'accueil que les ministres, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, ont réservé au travail de notre commission. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe Portier. Je vais maintenant donner la parole à Véronique Margron. Véronique Margron, je rappelle que vous êtes... Religieuse dominicaine, vous êtes aussi, surtout ici, la présidente de la COREF, la conférence des religieux et religieuses de France. C'est vous qui avez commandité euh, ce rapport à la Commission Sauvée. Et on voudrait vous demander bah, comment vous avez accueilli ces conclusions et ces préconisations. Merci, merci à tous euh, d'être là dans ce temps si grave. Excusez-moi, mais je pense que la fatigue commence à me gagner. Euh, ce jour est très particulier. Parce que c'est à la fois un jour de vérité, et nous savons tous ici ce que c'est que chercher la vérité au regard de l'évangile et de la vérité qui rendra libre, et en même temps cette vérité pèse tellement lourd que c'est aussi un jour de deuil. Et c'est d'autant plus un jour de deuil que qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de visages, d'histoires bien singulières, bien uniques de victimes avec en plus tous leurs proches. Et nous savons ce qu'il en est des un peu au moins des conséquences sur les proches de ces drames et de ces crimes. Donc c'est un sentiment très mêlé, un sentiment d'immense gratitude envers le travail de la Commission Sauvée, de Philippe Portier, de toutes les équipes, ce travail qui, comme le disait François Deveau dans sa colère, mais cette colère avait des accents de vérité ce matin aussi, fait plonger dans les enfers et en tout cas approcher des enfers les membres de la Commission, comme d'une manière ou d'une autre toutes celles et tous ceux qui se risquent à écouter ces récits de vie. Brisée, parfois ravagée, parfois détruite. Donc c'est ce mélange des sentiments que je voudrais souligner en commençant. La deuxième chose, c'est que je pense que, sans user de grands mots, parce que vraiment ça n'est pas le jour, il y a sans doute quelque chose d'historique dans ce qui s'est passé ce matin, en tout cas d'historique pour l'Église de France. Imaginez-vous. C'est une commission indépendante qui a dit à l'Église qui était devant elle ce qu'il en a été, en tout cas au plus proche de la réalité qu'il était possible d'approcher du pire. Cela, c'est historique. À lire le rapport, il est bien clair que personne de nous, quelles que soient ses compétences, quelle que soit sa bonne volonté, quelle que soit son intégrité, n'aurait pu mener ce travail à l'intérieur. Et cela, c'est historique. Que sur un sujet si lourd, le plus lourd qu'il soit, qui est la trahison de l'Église, ce soit une commission indépendante que nous avons voulu, et donc nous ne pouvons d'autant moins en contester. Les conclusions, ce n'est pas comme si, je ne sais pas moi, une institution extérieure, le ministère de la Justice, l'État, s'était dit non, mais on va se mêler des affaires de l'Église. Nous pourrions toujours dire ah non, mais c'est parce qu'ils ne nous aiment pas, c'est parce que ceci. Non, là, c'est nous qui l'avons voulu. Et c'est cette commission-là qui dit ce qu'il en est. Vous savez, cela, c'est à la fois terrible et grand. C'est terrible dans les. Conclusion est terrible, est un mot bien faible, mais c'est grand. C'est grand que cette commission ait pu mener son travail à terme et que tout ce qu'elle a écrit soit aujourd'hui public. Que tout soit appelé ici à la transparence nécessaire. Dans le rapport Philippe Portier, parle à un moment justement de ce passage d'une église, d'une société, d'une église, de la réputation, d'une société de la réputation, pardon, à une société du droit et de la transparence. Eh bien, je veux croire de toutes mes forces, ou des forces qui me restent, que ce matin, c'est ce qui s'est passé pour l'église d'entrer dans la société du droit et de la transparence. Et c'est sans doute ça le premier lieu de l'espérance. De cette espérance qui, soyons honnêtes, pour aujourd'hui est tout de même assez ténue, sauf à nous raconter des balivernes. Car accuser le choc de découvrir, sachant que nous ne saurons jamais tout, de découvrir un tel désastre de découvrir une telle terre saccagée et saccagée par des membres de l'Église, saccagée par la faillite des institutions qui devaient protéger, signaler. Institutions qui parfois, vous le verrez dans le rapport, nous le savons en écoutant tant et tant de victimes, ces institutions ont parfois même été complices et parfois complices de façon active. Ces institutions, ce sont les nôtres, ce sont les miennes. Et cela, ça a quelque chose aujourd'hui d'irreprésentable. Et pourtant, je sais que telle est la réalité. Mais, et c'est mon troisième point, il est d irreprésentable de se dire que la maison de Dieu, Son nomme ainsi, l'Église, a été le lieu de la dévastation. Ça, c'est irreprésentable. Et pourtant, c'est cela. De la vie religieuse, l'Église, l'Église diocésaine, les églises diocésaines, qui ne sont là pour rien d'autre que de témoigner du Dieu fait cher pour rien d'autre, que d'annoncer de la vie au plus fragile, de la sécurité, du repos au plus fragile, a été le lieu de la mort. Car parler de 200 000, voire de 300 000, à vrai dire, à partir de ce moment-là, je pense que les chiffres n'ont plus de sens. C'est de toute manière dire qu'il s'agit de crimes massifs. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe à l'instant ou ce matin, si vous avez écouté dans, dans vos cœurs et dans vos têtes, mais dans la mienne, il y a comme une explosion. Parce que comment ces termes peuvent-ils aller ensemble Se dire que dans des institutions chrétiennes, qui sont là uniquement pour être à la suite du Christ et pour rendre possible pour d'autres cette suite de celui qui est doux et humble de cœur, se sont commis des crimes massifs. Voilà. Je pense qu'il est bien difficile de s'en remettre. Je ne sais d'ailleurs même pas s'il faut se remettre. De cela, il faut travailler, bien évidemment, il faut agir. Et là est ma responsabilité, notre responsabilité, à nous tous d'une façon ou d'une autre, ici et ailleurs mais il faut laisser cette déflagration se produire et ne pas aller trop vite ah bon mais maintenant maintenant ça va quoi c'est dur mais bon cherchons les solutions pour chercher les solutions il faut d'abord descendre Les victimes nous disent souvent mais nous nous avons été réduits à l'état d'objet par nos agresseurs, d'une autre façon, par l'institution qui n'a rien entendu, qui parfois en a rajouté. Alors vous, Église, mais descendez donc un peu, diminuez donc un peu. Si devant le rapport que nous avons reçu ce matin, nous ne descendons pas un peu, voire beaucoup, ce serait décidément que nous n'avons rien compris. Et ce serait, je crois, une tragédie supplémentaire, une trahison supplémentaire des personnes victimes, mais de vous, de l'Église tout entière, du peuple de Dieu, de chacun dans ce peuple de Dieu et du Christ au combien. Donc c'est là où nous sommes aujourd'hui. Et donc l'acte d'espérance, pour moi, est nu et je terminerai ainsi, je crois. Il me reste 45 secondes. Oh, c'est fantastique. L'acte. Espérance, encore une fois, ténue de ce jour, c'est ce que je vous disais, que, que, voilà, que cette vérité se soit faite sur le lieu le pire, en public, en toute transparence du travail de cette commission. L'autre lieu d'espérance, c'est que vous soyez là, que vous vous sentiez concerné par ce qui arrive, car L'Église peut bien penser dans ses institutions, dans ses responsables, quels qu'ils soient, peut bien désirer changer, peut même bien faire des réformes, mais Dieu sait qu'elle en a un certain nombre à faire. S'il n'y a pas de changement de culture de nous tous, de prise de responsabilité, d'autres façons de se situer, que le pape François nomme de ses voeux la synodalité ou que nous la nommions autrement, les choses ne se feront pas car on ne décrète pas un changement. Nous le savons tous. On l'accompagne dans le meilleur des cas. Et il ne se fait pas en un jour. Et mon troisième lieu d'espérance, c'est qu'en effet, la commission sauvée a été capable de faire des recommandations à l'Église. Je l'évoquais ce matin. Ces recommandations étaient demandées dans la lettre de mission, mais face au constat quand même effroyable dont je suppose qu'aucun des membres de la commission ne pouvait l'imaginer en commençant à travailler, pas plus que nous, les mandants, bien évidemment, avoir réussi à faire des recommandations, et des recommandations performantes ou performatives, c'est-à-dire qui, 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 qui sont dans l'ordre dans du réel, qui ne sont pas des vœux pieux euh, qui planeraient au-dessus de nous. Cela, c'est magnifique au cœur de ce désastre. Ça, c'est magnifique. Donc maintenant, à nous, responsables, mais à nous tous aussi, de nous saisir de ces recommandations, qu'il s'agisse en effet de la gouvernance, de la culture ecclésiale, de cette question du silence, du secret, qu'il s'agisse de la formation, vous êtes ici dans les facultés jésuites, qu'il s'agisse de l'accompagnement des vocations, qu'il s'agisse en effet des questions liées à la réparation, tout cela nous appartient à tous. Et vraiment, je remercie infiniment la Commission d'avoir réussi ce travail, de pouvoir donner des recommandations concrètes, qui certaines vont bien sûr demander du travail et du temps, d'autres peuvent peut-être aller, je ne sais si c'est plus vite car il est si tard, mais, mais en tout cas, peuvent peut-être être, être réalisées. Dans des délais plus brefs. Et puis mon dernier mot, c'est vraiment de vous dire que la réparation, d'une certaine façon, nous savons pour chacune de nos vies, ça n'existe pas. Personne ne répare le mal. Personne ne rend à un enfant, à un adulte, dont l'enfance intime, notre enfance à chacun d'entre nous, en nous, a été volé, personne ne lui rend cela. Personne ne rend l'innocence. Personne ne rend la légèreté à des existences qui, en une seconde, sont passées à l'âge adulte ou, au contraire, se sont comme figées à l'enfance. Tant de personnes victimes à 80 ans, 90 ans peuvent dire Mais je suis toujours l'enfant de 10 ans. Donc, ça, ça ne se répare pas. Mais je pense que ça rend d'autant plus responsable de réparer quand même. C'est cela le paradoxe. C'est d'entendre cela. Et Jean-Marc Sauvé le disait ce matin à propos de la réparation. Donc la réparation n'est pas là pour qu'on tourne la page. Elle est là pour qu'enfin en, nous fassions justice. Et. Comme le dit l'archevêque de Strasbourg, c'est bien tard, mais mieux vaut tard que jamais, car toutes ces victimes sont vivantes aujourd'hui, présentes. Et puis il y a, il y a, ce qu'a dit fortement Jean-Marc Sauvé ce matin, il y a le fait que ces questions, en particulier liées à cette systémique, de ce qui a rendu possible, non pas l'abus comme tel, mais ce qui a rendu possible la perduration des abus, à, ce, à ces, ces chiffres aussi euh, apocalyptiques. J'ai perdu mon fil. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, mais, donc il a bien insisté pour nous dire que voilà, cette systémique, elle est toujours là d'une façon ou d'une autre. Elle a évolué, bien sûr. Euh, Philippe Portier peut en parler avec tant de précision pendant des heures et des heures, mais elle a évolué au cours des 70 ans ou combien, évidemment, la société française a tellement évolué. Mais ce qui est à entendre, c'est qu'elle est toujours là, et que nous ne sommes pas seulement en train de nous dire qu'il nous faut enfin faire justice à des victimes présentes, victimes de crimes du passé, mais qu'il nous faut aussi, en même temps, prendre enfin soin du présent, pour que de tels malheurs, de tels crimes, de tels scandales, ne puissent continuer. Je vous... C'est nous qui vous remercions, Sœur Véronique Marguerite. Et nous poursuivons cette soirée des mardis d'éthique publique au Centre Sèvres. Avec nos deux invités, nous parlons de la SIAZ, dont le rapport a été rendu ce matin, Véronique Martin et Philippe Portier. Je voudrais leur poser quelques questions avant de donner la parole à la salle. Philippe Portier, je voudrais que vous reveniez peut-être sur cette expression de, de processus systémique. Est-ce qu'on parle de système parce qu'il y a cette ampleur, ce nombre, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui font le système Le, le processus systémique ne, ne renvoie pas euh, simplement au fait qu'on on serait confronté à ce qu'on a pu appeler un crime de masse. Euh, l'expression a souvent été euh, employée, ce qui renverrait à un élément strictement quantitatif. Dans l'expression systémisme, euh, on renvoie aussi à du qualitatif. Alors, l'idée est d'abord la suivante. Il faut écarter le fait ou l'idée suivant laquelle l'abus sexuel relèverait simplement d'une déficience de la psyché individuelle. Vous voyez, des actes singuliers produits par une conscience morale défaillante, par un métabolisme psychique qui ne fonctionnerait plus. Il y a cela, bien sûr, parmi ceux qui osent passer à l'acte. Mais le processus systémique renvoie à un mécanisme bien plus complexe qu'on peut appeler collectif. Première idée, dans le systémisme, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes de connivence entre des acteurs, entre des institutions, qui permettent que l'abus, qui permettent que la psyché déficiente puisse passer à l'acte. Alors, connivence. En parlerai peut-être tout à l'heure entre l'abuseur, certes, mais aussi son supérieur hiérarchique, mais encore l'institution diocésaine ou euh, l'institut religieux, mais parfois aussi, et cela nous a évidemment euh, tout à fait surpris dans notre France laïque, connivence de l'État à travers ses autorités et même parfois connivence de la famille. Alors. Quand on parle de processus systémique, évidemment, nous insistons sur ce système de connivence en plaçant toutefois au premier plan de notre analyse la responsabilité des supérieurs hiérarchiques à l'intérieur de l'Église qui a été proprement massive, les autres institutions intervenant, comme vous le devinez, à titre tout de même subsidiaire, voire exceptionnel. Premier élément. Et puis, dans euh, la définition de processus systémique, il y a autre chose. Il ne suffit pas de dire système de connivence, il faut encore le décrire. Et nous le décrivons, je le décrirai de la manière suivante. Il y a processus systémique lorsque celui qui sait qu'un mal se produit, lorsque celui qui sait qu'un mal se produit, ne fait rien pour l'entraver, et fait plus même, positivement, fait tout pour le dissimuler. Et ce qui apparaît très clairement dans ce que nous avons vu dans les archives en particulier, dans les témoignages des personnes victimes, à titre subsidiaire dans les archives, c'est à titre principal, c'est précisément cette idée que la connivence se déploie en dissimulation des situations de violence, en dissimulation volontaire des situations d'abus. Et voilà, je crois, ce qui permet de théoriser. Ce concept qui est souvent flou et euh, employé sans grande précision de processus systémique. Alors, processus systémique, mais par réseau Il peut y avoir euh, des réseaux il peut même y avoir ce que nous appelons maladroitement dans le rapport des clusters, c'est-à-dire euh, ces, ces lieux d'effervescence violente, d'intensité abusive. Comme il en a existé par exemple au petit séminaire de, de Chavagne, dans quelques petits séminaires que nous avons examinés, euh, où se mettent en place là des systèmes de connivence organisée. À Chavagne, par exemple, euh, je pense ici aux années 60, ce n'est pas si loin les années 60 pour beaucoup d'entre nous, sur euh, 20 professeurs, 11, 12 peut-être étaient impliqués dans des situations de pédophilie. Et là, il y a réseau. Réseau, disiez-vous, à l'intérieur d'établissements. Mais nous avons vu des réseaux se constituer à l'extérieur des établissements où les premiers abus s'étaient constitués. Avec le fait que des prêtres abuseurs étaient déplacés vers d'autres instituts, vers d'autres diocèses, et continuaient, là, à perpétrer leurs abus. Souvent, en effet, avec des réseaux de prêtres qui, auparavant, auparavant, avaient fait leurs études dans les internats d'où provenaient les nouveaux abuseurs. Et là, on peut dire qu'en effet, il y a non seulement système, mais il y a aussi organisation réticulaire de l'abus. Vous voyez, des, des éléments de ce type nous renvoient au fait qu'il y a eu des dysfonctionnements extrêmement graves. Ce que je viens de vous décrire là pour le systémisme vaut très tardivement jusqu'à la période immédiatement contemporaine, avec une rupture dans les années 2010-2015 tout de même. Euh, ce que je viens de vous dire sur la question des réseaux, nous l'avons vu à l'œuvre de manière très nette jusqu'au début des années 1970. Véronique Margon, vous avez évoqué la trahison de l'Église. Pourquoi est-ce que l'institution ecclésiale a-t-elle eu autant de difficultés à nommer ce mal et à travailler à l'endiguer si je savais vous répondre, ouais. déjà on aurait fait un pas. Nous avons des éléments, c'est-à-dire que je pense qu'un des éléments, c'est la confusion des genres. Le fait que l'Église ait tant de mal à nommer un chat un chat, alors que je sache, la Bible, elle, s'est nommée un chat un chat. Un crime n'est pas de l'ordre du péché, c'est un crime. Donc si on commence à penser sous la catégorie du péché où nous mêlons nous le savons bien beaucoup 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 de choses plus ou moins graves, évidemment nous ne pouvons plus penser avec justesse. donc ça ça participe à l'effacement des consciences, à une forme d'aveuglement cette façon comme cela que, que nous avons en quelque sorte si j'ose dire de ramener à nous quoi enfin un crime ça relève de la société française, de l'État, de la justice. Ça ne se résout pas en famille, on ne résout pas un crime en famille, on n'en a ni les moyens ni les compétences. Donc cela, ça a participé. Euh, évidemment, la position sacralisée à l'excès, comme dit le rapport euh, de la CIAS. Du prêtre ou du religieux, d'ailleurs parfois de la religieuse aussi, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, toutes ces positions qui mettent en surplomb, et donc qui a aussi font qu'il n'y a plus de vigilance qui s'exerce, puisque par définition, mais que peut-il vous arriver de la part d'un homme de Dieu Que du bien, évidemment, que du bien, pour vous-même, vos enfants, enfin, forcément que du bien. Donc cette position-là, quand elle est pensée comme ça, ainsi, à l'excès, dans ce surplomb, en plus dans ce surplomb qui est au nom de Dieu, et donc qui lui donne un caractère sacré, quoi, euh, participe à, 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 cette, à cette tragédie, et, et je pense à participer beaucoup à l'incapacité de, de l'Église à nommer les choses, à y faire face, et parfois même, du coup, elle s'en est en effet rendu éminemment complice pour vous prendre nous voyons enfin, moi ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture du rapport mais déjà à l'écoute de, de victimes c'est que le, et, et le, le, le en particulier toute la partie de Philippe Portier le dit le dit très bien c'est qu'en fin de compte c'est ce qui fait vivre notre foi qui a été dévoyée et cela c'est vertigine à dire c'est la parole de Dieu manipulée au service de l'abus. C'est le rapport à l'autorité. Nous savons combien le rapport à enfin, l'autorité, c'est là, c'est fait pour autoriser à grandir, pour faire partir. Et cette même autorité a accaparé, violenté, violé. C'est les sacrements, combien, combien de victimes, ça c'est un effroi, ont été victimes. Pendant les sacrements, ou juste avant, juste après, mais mais, mais c'est inimaginable et pourtant c'est le réel. Vous lirez dans vraiment, je, je ne peux que vous y plus qu'inviter. Non seulement dans le rapport de la CIA, mais dans cette dans cette annexe importante qui s'appelle de victimes à témoins, donc qui sont des, des verbatimes de victimes. Vous verrez ce que disent des de ces moments-là des sacrements. Donc c'est cela qui est très impressionnant, c'est de voir que c'est ce qui fait le cœur de la foi, de ce qui fait vivre la foi, qui s'est trouvé dévoyé au service des abus. Donc je pense que ça aussi, ça a participé au combien à ce qu'en fin de compte, l'Église soit aveuglée. Puis après, il y a eu des phénomènes conjoncturels. Si on pense à des situations des années plus récentes, des années 80, je vais nous dire à nos jours, mais en tout cas à 80, c'est-à-dire tous les. ce qu'on a pu appeler, en y croyant sincèrement, au renouveau de l'Église, avec des grands groupes de religieux, par exemple, hein, jeunes, tout ce qu'on veut. Euh, Dynamique. et où du coup, mais personne ne s'est soucié de comment était-il gouverné, comment était-il formé, quelle était la régulation du pouvoir. Y avait-il ce qui est si cher à la tradition religieuse, où il y a quand même dans la tradition religieuse une forme de synodalité entre le rôle du supérieur de la supérieure son conseil son cha le, cha le chapitre ah, il y a des instances qui en principe si elles fonctionnent sont loin d'être parfaitement efficaces c'est rien de le dire hein. mais quand même on leur utilité mais personne ne s'est posé cette question comme si en fin de compte nous mêmes nous étions aveuglés par la réussite et ça c'est une vraie question pour moi aujourd'hui la réussite aveugle nos sociétés, ou une idée de la réussite, alors même que nous nous souhaitons de la réussite à chacun, mais, mais, mais il, il est une réussite qui a tragiquement participé, pas de façon volontaire évidemment, mais aux abus, en n'ayant aucune vigilance sur ces lieux. Je vais vous poser une dernière question, Philippe Portier. Est-ce que. L'église catholique d'aujourd'hui, cette église qui a commandé ce rapport à la siasse, est-ce que cette église est responsable de ces crimes de masse dont vous nous avez parlé, dont l'église s'est montrée complice Je vais vous demander de répondre en deux minutes. Hein hein oui, je, je réponds en, en deux minutes euh, en vous disant oui, elle est responsable. Euh, Précisément pour le motif que je vous disais tout à l'heure, elle savait et ne faisait rien. Elle savait et ne faisait rien, ce qui caractérisait euh, d'une certaine manière sa stratégie. On peut employer ce, ce terme employé au, au management ou à la guerre. Euh, déployer sa stratégie en, en deux temps. D'une part, euh, elle faisait tout pour dissimuler la culpabilité de celui qui avait organisé l'abus, souvent organisé l'abus, et d'autre part, elle ne prenait jamais en compte la souffrance, l'existence même de la victime. Alors, euh, peut-être me, me permettrais-je d'ajouter, si vous voulez, euh, non pas pour atténuer la, la part de responsabilité, mais pour essayer de comprendre le contexte euh, de l'époque. Car euh, la lettre de mission que... La Coref et la conférence des évêques de France ont adressé à Jean-Marc Sauvet en novembre 2018 nous demandait de prendre en compte le contexte. Les années 50, les années 60, du point de vue de l'outillage intellectuel de l'Église, ne sont pas les années 2010-2020. Et en particulier, on a vu beaucoup évoluer la notion de scandale. Qu'est-ce qu'un scandale Aujourd'hui, le scandale, c'est ce qui porte atteinte à la dignité d'un être. Et Véronique Margron l'a parfaitement dit tout à l'heure, il est insupportable de voir un enfant perdre sa dignité, son identité, sa légèreté pour la vie. Il se trouve que l'Église a développé une autre théologie du scandale qui remonte au XIIIe siècle. Qui remonte au XIIIe siècle et qui voit le scandale d'abord comme ce qui porte atteinte à l'honorabilité de l'Église et à la respectabilité de ses membres, et en particulier des plus nobles d'entre eux, les prêtres. Et on voit bien dans les textes que nous avons analysés que toute la stratégie de l'Église est portée par cette idéologie-là, cette idée qu'il faut tout faire pour éviter que l'Église ne soit jetée à l'opprobre de l'opinion publique. Vous vous rendez compte que nous sommes là dans ce que Véronique Margron appelait tout à l'heure une société de l'honneur qui est en profond décalage avec ce que nous attendons, nous, de manière naturelle, et j'espère de manière éternelle, une société du droit, de la transparence qui place la dignité du sujet au cœur de ses préoccupations. Ça n'était pas le cas, manifestement. Dans les années 1950-1960, certains étaient déjà dans la société du droit, dans la société du respect des victimes l'Église demeurait attachée à une théologie d'un autre âge, celle où comptait davantage l'honneur de l'institution, davantage que la dignité de ses petits, que la dignité de ses plus petits membres. Et l'Église de 2021 doit payer pour les crimes de cette Église des années 50-60 Alors, Véronique Margron le dirait mieux que moi, le mot payer est un mot que... Employé ce matin, François Devaux, vous savez, le, le dirigeant le créateur de la parole libérée, il a terminé son allocution en disant Vous devez payer. Alors, vous devez payer, euh, oui, il y a euh, évidemment euh, l'idée d'une responsabilité qui doit s'inscrire dans, dans l'histoire, que l'Église d'aujourd'hui prenne en compte ce qu'ont fait euh, les dignitaires et et souvent les membres de l'église d'hier oui euh, probablement non pas au titre d'une d'une responsabilité pénale ou civile mais d'une responsabilité morale dont elle doit porter aujourd'hui la charge nous avons dans le rapport développé ce thème en parlant de la nécessité d'un mémorial qui ferait reconnaissance des victimes mais nous y ajoutons immédiatement une un codicille qui est un codicille pour le moment actuel, nous avons comme recommandation préconisé que puisse s'appliquer en Église ce qu'on appelle dans le droit civil la responsabilité sans faute de l'institution. Cette idée que l'institution doit en effet se montrer responsable juridiquement dès lors que l'un de ses Membres se trouvent dans la situation de commettre des abus sexuels. Et de ce point de vue, c'est à une évolution du droit que nous appelons qui prendrait en compte la responsabilité bien au-delà, la responsabilité de l'institution, bien au-delà de la culpabilité de ses membres prises à titre individuel. L'institution en tant que telle pour aujourd'hui. Eh bien, on, on s'approche de la toute fin de cette rencontre. Je vais demander à Jean-Luc Poutier de conclure. Conclure un, un, un travail qui, à l'évidence, ne fait que, que commencer, ça n'aurait pas, pas grand sens. Euh, je, je me contenterai de soulever deux questions qui euh, sont l'expression, en fait, de ma part, d'une incompréhension. Euh, dans la continuité de ce que Philippe Portier vient d'évoquer, à partir d'une remarque de Véronique Margron qui a dit que ce jour marquait l'entrée de l'Église dans la société du droit. Et Philippe Portier avait dit auparavant que le code de droit canonique était en totale discordance avec le requête d'une société démocratique. Je me demande, en tant qu'historien, en essayant d'être historien, pourquoi l'Église continue aujourd'hui d'asseoir sa singularité ou son exceptionnalité dans le monde tel qu'il est sur un héritage médiéval qui a pu connaître à certaines époques. Des moments de belle construction juridique, mais qui est aujourd'hui une construction totalement vermoulue, même révisée en 1917 ou 1983. Pourquoi l'Église ne rejoint pas le droit, le droit commun des sociétés et ne soumettait pas ses statuts aux règles qui sont celles de toutes les sociétés démocratiques Il ne s'agit pas d'arranger le code de droit canonique à la marge. Il faut peut-être simplement se demander s'il n'est pas nécessaire de passer à autre chose et d'amputer le membre gangréné. Ma deuxième remarque, c'est à propos de ce que Philippe a dit sur l'interrelation entre l'Église et la société. J'ai été éduqué dans un collège de pères maristes dans les années 60 où je n'ai pas eu à connaître d'agression ou de sévices sexuels parfois quelques caresses un peu appuyées que nous prendrons pour des manifestations de tendresse ou d'affection. En revanche, les sévices physiques, corporels, d'humiliation, étaient permanents, de la part de prêtres dont il était évident pour certains qu'ils étaient déséquilibrés. Et ces sévices, ils étaient approuvés en famille quand ils n'étaient pas doublés en famille. Et pour ceux qui ne se soumettaient pas, il y avait encore une punition supérieure. On les envoyait à 50 km de Besançon, à Dole, dans un collège jésuite qui passait pour une maison de redressement. <laughs> Donc c'est toute la société qui est en cause. Ce n'est pas seulement l'Église. Parce que si certains se sont crus permis de commettre des actes encore plus abominables que les violences physiques, que nous subissions, certains en riaient, d'autres en souffraient, en tout cas c'était des humiliations permanentes, c'est parce qu'ils savaient que, au fond, la réponse sociale, et Philippe a évoqué la responsabilité de l'État, la réponse sociale, la réponse des familles ne serait pas une réponse qui mènerait à leur propre perte. Et donc une interrogation sur les normes éducatives qui ont été en cours à cette époque-là, sur l'héritage qu'elles ont laissé, sur la place des enfants dans notre société d'aujourd'hui, me semble une des pistes de réflexion, couvre ce rapport et qu'il est peut-être urgent de suivre. Et eh bien voilà, c'est comme ça que s'achève pour RCF cette soirée des mardis d'éthique publique consacrée au rapport de la CIA sur les violences sexuelles dans l'Église catholique. Merci à Véronique Margon et à Philippe Portier qui étaient nos invités, puis merci aussi à François Heuvé et Jean-Luc Poutier qui ont préparé cette rencontre.